Si on dort bien, si on a la pêche, si on est de bonne humeur, si on n'a pas de migraine de réveil, on fait ce qu'on veut. Après, on ne vient pas se plaindre si ça se passe mal. En revanche, si on est fatigué, si on a un peu le blues, si on a des problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne, c'est vrai que le premier principe, c'est de se lever à heure fixe. La fête est permise. Mais même si on fait la fête, si on a des problèmes d'endormissement, on doit se lever toujours à la même heure, quitte à faire des petites siestes de moins de 20 minutes au cours de la journée qui suit, quitte à se coucher un peu plus tôt le lendemain soir. On se lève toujours à la même heure, c'est vrai que je suis d'une terrible rigidité avec mes patients à ce niveau-là. En revanche, chez un adolescent qui a une petite tendance dépressive, 3 soirées de suite à se coucher à 2-3 heures du matin risque de faire glisser dans la dépression, ce qui peut être assez ennuyeux. Donc on se lève à horaire fixe et sans négliger les fêtes qui sont utiles aussi pour la vie sociale et puis pour le plaisir, on essaie quand même de se coucher à des horaires relativement fixes. Mais l'heure de coucher est beaucoup moins importante que l'heure de lever.